Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Le temps est là, parfait. Je vais aujourd'hui vous parler, donc le thème c'est en un clin d'œil et c'est la vitesse. La vitesse, c'est ma compagne depuis toute ma vie professionnelle, puisque j'ai côtoyé les athlètes de haut niveau toute ma carrière et que leur but essentiel, c'était d'aller toujours plus vite. Mais en même temps, je vois que vous adaptez très vite à ce thème, puisque 18 minutes pour parler d'un problème aussi complexe, c'est déjà de la vitesse. Mais en même temps, je ne vais pas essayer de me précipiter. C'est-à-dire que cette exigence-là de s'exprimer dans un temps donné, ça mérite d'y avoir réfléchi, d'avoir construit son intervention et d'essayer de vous convaincre d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est que le sport, de tout temps, depuis l'Antiquité, a posé la question de la vitesse. Situs, altius, fortus, c'est la devise olympique, et situs, c'est la vitesse. Donc de tout temps, les êtres humains ont toujours eu cette ambition d'aller plus vite, de plus en plus vite, et quelquefois d'aller plus vite que les autres. Et voyez bien que ce n'est pas la même chose d'aller vite et d'aller plus vite que les autres. Et à force de vouloir aller toujours plus vite que les autres, on arrive quelquefois, aujourd'hui l'actualité nous parle d'un cycliste par exemple, à utiliser des moyens qui ne sont pas toujours ceux qu'on attendrait de cette volonté de se dépasser soi-même, d'innover pour créer les conditions d'aller plus vite. Alors, mon expérience d'accompagnateur de tous ces champions et ces championnes m'a appris un certain nombre de choses intéressantes. La première, c'est que tout ce qu'on vous dit sur le sport, tout ce que vous lisez sur le sport, tout ce qu'on vous raconte à la télévision sur le sport, ne repose sur absolument rien de réfléchi, d'analysé sérieusement, et on vous fait passer des messages, des a priori, des idées toutes faites, que je vais essayer de développer ici pour quelques-unes. La première, par exemple, il faut être de plus en plus jeune pour participer aux Jeux Olympiques. Il faut s'y prendre très tôt, il faut s'entraîner très dur, etc. Savez-vous que la moyenne d'âge des filles aux Jeux Olympiques, c'est 25 ans, et les garçons, c'est 27 ans. Conclusion, première idée, atteindre le très haut niveau dans une activité physique et sportive, ça réclame du temps. Ça réclame du temps, ça réclame de l'organisation, du désir, de la volonté. Et on ne peut pas réduire ce travail, ce chemin-là, à quelques idées toutes faites sur le fait qu'il était doué, mais j'y reviendrai un petit peu après. La deuxième chose importante, c'est on vous dit il faut commencer tôt, précocité. C'est faux. Ce qui caractérise les athlètes de haut niveau, ce n'est pas le début où ils commencent, ce n'est pas comment ils rencontrent l'activité. C'est cette espèce de Big Bang bizarre qui fait que quelqu'un, quelqu'une, à un moment donné, rencontre une activité et il va en faire ou elle va en faire sa vie. Rechercher autour de cette activité à devenir toujours meilleur ou en tout cas meilleur humain. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai rencontré des athlètes de haut niveau qui ont fait cette rencontre et qui s'y sont engagés avec un désir absolument incroyable, qui est difficilement explicable, et la psychanalyse ou la psychologie ne résout pas le problème, pour comprendre pourquoi, jour après jour, mois après mois, année après année, cette recherche un peu utopique de devenir le meilleur du monde finit par organiser une vie et finit par concrétiser une vie. Le troisième aspect, que je voulais souligner avec vous, là, c'est les champions sont des êtres forts. J'ai rencontré que des êtres fragiles. J'ai rencontré que des êtres qui avaient transféré cette fragilité dans le désir d'exister, et c'est ce désir-là qui les a fait devenir champions. Mais à chaque fois, dans de nombreuses conditions, j'ai pu remarquer à quel point leur fragilité était finalement leur force. Quand on n'est pas fragile, ça veut dire quand on n'est pas capable d'accepter
que finalement nous sommes faillibles, eh bien finalement, à force de se construire comme quelqu'un que nous ne sommes pas, nous n'atteignons jamais le maximum du potentiel que nous avons en nous. Il faut accepter de se fragiliser pour être très fort. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on vous raconte, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu de manière vraiment très forte cette fragilité des athlètes de haut niveau, et surtout en condition de compétition. Et du coup, ça remet en cause un certain nombre d'idées a priori, encore là, qu'on vous cerise à longueur de temps, et que je voudrais juste évoquer avec vous quelques temps. La première, c'est le talent. Vous entendez tous que finalement, lui, elle, est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, il était génétiquement programmé et il est devenu champion. Voilà. Donc ça, c'est le talent. On est talentueux, et donc il suffit juste d'arroser la plante dans de bonnes conditions pour que finalement, ce talent préexistant devienne une réalité dans l'expression même de la performance. Je ne partage pas du tout cet avis. Les gens que j'ai rencontrés, ces athlètes que j'ai rencontrés, n'avaient pas a priori ce talent qu'on désigne comme étant la clé de tout. Et nous en sommes avec un certain nombre d'amis qui réfléchissons sur ce qu'est la performance et ce qu'est la performance en tant que condition humaine, c'est que ce talent-là, c'est d'abord la capacité à s'exprimer, à donner du sens en situation de compétition. Ça veut dire que, et vous allez voir à quel point dans ce cadre-là, quand vous êtes manager d'une équipe, l'idée de vitesse est quelque chose sur lequel vous avez intérêt à réfléchir. Et donc, cette capacité à trouver du sens, à donner du sens dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire à être dans cette capacité à analyser les adversaires, à construire sur votre expérience, sur ce que vous avez vécu, cette capacité donc à être en situation de prendre les bonnes décisions rapidement, mais rapidement, ça ne veut pas dire n'importe comment, ni vite, sous prétexte qu'il faudra aller vite. Tout ça se fait rapidement parce qu'on a construit un tel background d'expérience que dans l'instant où l'on est, on va être capable d'inventer la situation et la décision qui semble utile à régler le problème qui est devant nous. Et quand vous regardez la performance de ce point de vue, vous voyez à quel point il est important, comme manager d'équipe, de renvoyer à vos joueurs, à vos athlètes, cette capacité de prendre des décisions. Et donc, comment ça se construit, cette capacité à prendre des décisions? Eh bien, de manière assez simple, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir en tête toujours cette idée forte que quand on tente quelque chose, il y a une forte probabilité qu'on échoue. Ce qui replace l'idée d'échec complètement différemment que je t'avais dit comment faire, tu ne l'as pas fait, donc tu as échoué. Combien de fois entendons-nous cette formule très simpliste en disant « je savais ce qu'il fallait faire, je suis ton coach, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Tu ne l'as pas fait, ben voilà, tu as échoué. » Ça détruit des Mozart toutes les 5 minutes, cette vision. Ça veut dire que des jeunes gens et des jeunes filles qui ont en eux ce désir d'expérimenter parce qu'ils sont riches de cette volonté de créer des choses, on va leur expliquer que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer, plutôt que de les accompagner, parce qu'on a la culture, nous, de l'activité, et de vouloir les accompagner dans ce chemin. Donc vous voyez que, et là on peut faire la transition assez rapidement avec le mode de management, c'est-à-dire que quand vous êtes manager de jeunes gens d'une équipe nationale, vous avez intérêt, vous, à être énormément cultivé de l'activité dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire d'en connaître l'histoire, d'en connaître les fondements, d'en connaître les règles, etc. Et ne pas vous précipiter, et jamais vous précipiter, donc vitesse, ce n'est pas de la précipitation, ce n'est pas du tout cette capacité de vouloir prendre des décisions, c'est avoir ce recul nécessaire pour, dans l'instant, savoir où vous allez intervenir ou pas,
pour créer les conditions que celui ou celle qui est l'acteur ou l'actrice de ce qu'elle doit faire soit en responsabilité et fasse les choix disponibles immédiatement au moment où il le faut. Il y a des exemples très très forts. Je vais vous donner un exemple concret. Chambre d'appel d'une compétition de natation au niveau mondial, une finale approche. J'étais souvent à côté de la chambre d'appel. Un athlète me regarde, je le regarde, il est livide, il est blanc. Et je le regarde et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai peur. Et je lui dis à ce moment-là, mais la peur, tout le monde a peur. Regarde ce qui se passe autour de toi. Tout le monde est dans la même situation que la tienne au moment où les choses vont se passer. Donc, tu n'es pas en situation de faiblesse parce que tu as peur. Il suffit juste de contrôler ce moment et de ne pas démontrer à tes adversaires qu'effectivement, tu es en train de t'écrouler dans la chambre d'appel et que tu n'es plus un adversaire. Mais la peur est une compagne permanente des décisions que nous devons prendre pour être les meilleurs. Et si on la repousse sans arrêt, si on ne l'accepte pas, on est dans un monde qui n'est pas un monde humain. C'est-à-dire on n'est pas dans un monde où c'est autour de cette capacité de prendre des décisions qu'on va pouvoir aller le plus loin possible. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Après, je vais vous donner quelques exemples concrets sur la relation entre la vitesse, qui est finalement toujours cette capacité à vouloir aller plus vite. On l'a dit, Sitius tout à l'heure. Pour aller vite, il ne faut pas chercher à aller vite. Et c'est très intéressant. En natation, par exemple, l'histoire de la natation, c'est très intéressant d'un point de vue de l'activité motrice des nageurs. Jeux de Rome en 1960, le vainqueur du 100 mètres nage libre en 1960, c'est un Australien, il s'appelle John DeWitt. Et cet Australien, pour nager son 50 mètres, fait 52 coups de bras sur la longueur du bassin de 50 mètres. D'accord ? Et lui, il va être champion olympique en nageant 52 secondes et quelques dixièmes. En 2008 à Pékin, Alain Bernard, qui deviendra donc champion olympique du 100 mètres nage libre, nage 47 secondes, 46 quelque chose, proche de 47 secondes. Et vous savez combien il fait de coups de bras par 50 mètres ? 28 coups de bras. Ça veut dire que cette évolution absolument incroyable du rapport d'un être humain dans l'eau, c'est l'inverse de la volonté d'aller vite en tournant les bras vite, mais au contraire, c'est la capacité à utiliser de mieux en mieux le fluide pour devenir de plus en plus efficace. Donc à vouloir quelquefois demander à des enfants d'aller de plus en plus vite et de confondre aller vite avec tourner les bras vite, c'est une erreur absolument pédagogique qui crée quelquefois les conditions d'échec dont on ne se remet jamais. Donc ça, c'est très intéressant. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais peut-être conclure, parce qu'elle ouvre des perspectives intéressantes, c'est qu'en natation, il y a une formule toute simple qu'on oublie quelquefois, c'est que la résistance à l'avancement, vous qui êtes des universitaires, la résistance à l'avancement en natation, c'est le produit d'un certain nombre de facteurs, mais qui est dépendant du carré de la vitesse. Ça veut dire que plus vous allez aller vite, plus vous allez augmenter la résistance. Alors, par rapport à ce choix, quand vous avez la responsabilité de réfléchir stratégiquement ce que vous allez engager en termes techniques, biomécaniques, etc., avec vos athlètes et vos nageurs, eh bien, nous avons fait le choix, non pas de travailler sur les conditions biomécaniques d'aller vite, mais nous avons d'abord travaillé sur la diminution des résistances, diminution du mètre couple, enfin, etc. Et finalement, pendant que nos adversaires faisaient de la muscu, nous, on travaillait sur la diminution des résistances. Et donc, à vitesse égale, capacité physique égale, celui qui résiste moins au fluide va être devant. C'est des petites choses, mais à la fin, quand on gagne, on est champion olympique pour 3 centièmes ou 2 centièmes, quelquefois, ça fait la différence. Et c'est une belle métaphore, cette résistance qui dépend du carré de la vitesse, parce qu'on peut l'adapter dans tous les aspects du management. C'est-à-dire que
à chaque fois que vous allez vouloir transformer quelque chose, une organisation, une équipe, un athlète lui-même, à chaque fois que vous allez vouloir aller vite, vous allez multiplier les conditions de la résistance. Et c'est une leçon, moi, qui me passionne. C'est-à-dire que, finalement, plutôt que de vouloir, a priori, décider que nous allons aller vite vers l'objectif que nous nous sommes fixés, si nous analysions ensemble ce qui fait résistance à cette volonté-là. Et dès l'instant où on va être d'accord pour ne plus résister à ce qui va se mettre en œuvre, très vite, on va voir que les décisions vont se prendre dans l'efficacité et la volonté de faire ensemble. Donc cette petite formule, qui est une petite formule comme ça, je l'utilise beaucoup pour dire la vitesse, c'est bien, mais souvent, c'est quelque chose qu'on recherche dans le sport de haut niveau, mais ça ne doit pas être l'outil des managers. Ça ne doit pas être l'outil de ceux qui sont en capacité de décider. L'outil essentiel de ceux qui sont en capacité de décider et d'accompagner, c'est la culture. Un manager doit être cultivé. Il doit être cultivé non pas seulement de son activité, il doit être cultivé, par exemple, je lis beaucoup de bouquins de philo, parce que c'est souvent dans la philo que j'ai trouvé des réponses aux questions qui se posaient devant moi, parce que les questions qui se posaient à moi comme manager d'une équipe nationale, c'était d'abord des questions qui concernaient la condition humaine des gens qui étaient là, et avec qui je travaillais. Et où trouve-t-on des réponses à la condition humaine? D'abord en philosophie. Or, le sport, c'est de plus en plus, et c'est ce qui m'inquiète, quelque chose qui est considéré uniquement comme du corps en action. C'est-à-dire que vous voyez se développer de manière absolument incroyable des moyens technologiques, etc., pour développer le physique des athlètes. Et on oublie une chose essentielle, c'est qu'un athlète, c'est d'abord un être humain qui s'est fixé un objectif et sur lequel il va essayer de construire le chemin qui vont lui permettre d'accéder à ce chemin. Et ça, ça réclame du temps. Ça réclame beaucoup de temps, ça réclame de la réflexion et ça réclame, je dirais, pour conclure, de l'intelligence. Je vous remercie beaucoup. Merci.